Sérieusement, faire de l'urbex sous la pleine lune, c'est classe, non? Salut, bonsoir. Là, pour une première fois, plan urbex de nuit dans un petit château. Donc, je vais pas dire plus forcément. On reste sur du petit concret de. Je fais du château. Voilà, en urbex. Allez, c'est parti. Meurtrière. Alors, là on a quoi là? On a une grosse cheminée quand même qui est pas mal, hein. Oh là là. La partie plus récente est rénovée largement. Tous les maçons. On fait n'importe comment, super. Donc là, le plancher, j'irai pas faire un tour parce que c'est un peu pourri. Donc je reste là, hein, clairement. Les espèces de poutres. Le patrimoine, c'est beau. Ouais. Et là, on a encore un petit escalier en colimaçon. Bon, par contre, vu la gueule du machin. Je suis pas une montée, hein. Je vais rester là. Parce que tout comme ça, c'est pas top. Donc ça c'est la partie restaurée, comme on peut voir, c'est pas la même pierre, c'est même de la brique en fait. Et donc là je change de pièce. On est sur du pur château. Je sais pas quoi que ça correspond. Oh putain. Oh la vache. Eh, beau pigeonnier là. Oh la vache. Ouais. Eh, c'est classe. C'est super classe. Bon, c'est vrai que là, c'est. Il manque un plancher en fait là. Il manque un bon plancher. Et encore des grosses poutres. Voilà.
toute façon, on est sur un manoir. Château, manoir, je sais pas vraiment, en tout cas. C'est super classe. Et comme tout lieu de ce type, on trouve des bizarreries. D'accord. Bon, une cheminée. Non, c'est cool, de toute façon. On en voit des choses, des découvertes. Les maçons en bas. Là, ça chauffait bien, putain. Ça a même cramé, quoi. Putain, la poutre. Ça se pète la gueule, bravo, quoi. Bonjour. Donc c'est pas vraiment un grand château, hein. Ça suffit largement pour faire une petite balade et pour découvrir quand même de jolies choses, je trouve. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est une petite curiosité en fait. Si vous savez ce que c'est, bah, dites-le moi en commentaire parce que je suis curieux de savoir ce que c'est en fait. En gros, on a ça. En face, enfin à côté, on a une petite niche. En face, on a une autre petite niche. Et en face du trou qui est là, on en a une quatrième. Donc voilà, si vous savez ce que c'est, bah, je suis preneur pour l'information, parce que c'est étrange. Il y a une chouette là-haut. Excuse-moi, je t'ai foutu les boules.
passer un pressoir. Enfin, ce qu'il en reste. La pleine lune. Je vais me transformer. Je vais avoir des cheveux, c'est cool. Non, je déconne, c'est mal barré. Voilà, la vidéo maintenant terminée. Si ça vous a plu, eh bien, je suis content. C'est classe. Forcément, c'est une petite visite. On ne peut pas voir un gros truc tout le temps non plus. Pour le pigeonnier, si vous avez eu des hypothèses, si vous avez des choses en tête, là où je présente les quatre trous dans le mur, en fait, dont un qui va vers l'extérieur, je suis preneur. Si vous savez à quoi ça servait, je suis preneur parce que ça m'intéresse, je suis un peu curieux là sur les bords, concrètement, même bien. Voilà, donc hypothèse ou directement, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Sinon, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, il y aura d'autres choses encore à faire, à voir, à découvrir. Eh bien, c'est tout. Bonne soirée, à bientôt et moi je vais me coucher. Salut !